choisi d'être ambassadrice pour pouvoir véhiculer le sport aux jeunes, pour les pousser à la pratique sportive de la boxe ou de n'importe quel autre sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités dans le sport. Donc, étant boxeuse, j'ai envie de montrer aux jeunes qu'on soit une femme, un homme, peu importe, il suffit juste d'avoir un cerveau, des bras et c'est parti. C'est là que tout a commencé, c'est là que j'ai rencontré mon coach, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai étudié. Donc c'est une relation un peu fusionnelle. Je dirais comme la moitié des Havrais ou plus, c'est la plage, c'est un endroit très calme. Même en hiver, on entend le bruit des vagues, la vue est très belle. C'est plus exactement le bout du monde. C'est une préparation en amont de la préparation physique et de la préparation technique. Du coup, en fait, le mental, on est en confiance parce qu'on sait qu'on a une très très bonne préparation et on est sûr de nous le jour du combat. Faut dire que je suis très bien entourée, j'ai un super staff. Du coup, je me laisse guider et pour l'instant, ça paye. Aujourd'hui, je suis 5 fois championne de France et vice-championne du monde universitaire. Je dirais à court terme, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et puis à long terme, ça serait les Jeux Olympiques de Paris.